Salut tout le monde, ça c'est Les74. Je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la domination sur Stone et Eve. Donc l'arme que j'ai choisi c'est Remington, comme d'habitude, avec viseur laser et frein de bouche. Alors les atouts que j'ai pris c'est fin prêt, tour de passe-passe, concentration, silence de mort et invisible. Voilà, donc on commence la partie là. Oh, je suis chaud là. Ah, c'est parti là. je vais pas débuter pour un truc que je ne suis pas. Alors, bon, la partie va, il commence déjà là. Attends, je vais essayer de voir par là s'il y a quelqu'un qui arrive. Peut-être, non. Par contre, il y a un petit truc aussi que j'aimerais bien vous dire. Pour ceux qui débutent, essayez de faire la sensibilité à 10, parce que j'ai essayé, si vous voulez faire plusieurs frags à la fois, enfin plusieurs kills, moi j'ai dit plus le mot kill que frag, parce que moi je préfère kill que frag quoi. Donc voilà, là je viens de faire un petit kill là. Donc essayez de vous entraîner avec voilà. Celui-là, il ne m'a pas vu. Essayez de vous entraîner avec sensibilité 10. Vous avez vu que il y a des adversaires qui passent derrière moi. Je me tourne facilement et c'est plus facile pour moi pour les avoir, quoi. Donc, même quand je tire et avec la sensibilité, je peux changer de direction mon arme quand je veux. Donc, voilà. C'est juste un truc à signaler. Voilà. Donc, là, c'est parti. Ouais. Il était loin, celui-là j'ai réussi à l'avoir. C'est parti avec le tour de passe-passe. Par contre, le tour de passe-passe, j'ai remarqué qu'avec le tour de passe-passe, on est plus rapide et plus précis. Je sais pas, c'est juste une impression que j'ai, mais après, il faut voir, il faut tester pour voir si ça va marcher aussi de votre côté. Là, je suis contre plutôt des personnes qui sont pas. Sont pas très haut niveau. D'ailleurs, c'est dégoûté de ne pas avoir un petit KEM là-dessus. Mais bon, c'est pour vous faire, enfin, pour me faire plaisir. Je dis bon, vaut mieux pas les humilier déjà qu'ils sont déjà pas trop forts. Donc, je préfère avoir une KEM avec des mecs qui sont plus les niveaux plus haut, quoi. C'est voilà, c'est. Et après, c'est pour dire que ouais, c'est qui le plus fort, quoi. Donc c'est l'histoire de ça. Parce que là, les mecs comme ça, vous avez vu avec la sensibilité, j'ai plus la facilité d'avoir, de diriger mon arme vers deux ennemis à la fois. Donc c'est plutôt rassurant. Oh mince, celui-là, je ne l'ai pas vu. J'étais sur une série de 6 à 0, mais on m'a cassé direct. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est parti, c'est le vengeance, voilà, deuxième. En même temps, wow, regardez ça, regardez cette action que je viens de faire. J'ai le temps de retourner derrière moi et puis avoir le mec. Là, il y en a deux, et puis le troisième par là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis le quatrième, bravo, bravo, bravo. 4 kills d'un coup, sans transpirer. Peut-être qu'il y en a d'autres là. 5. Venez, je vous attends. 6e, voilà, merci à toi. 7e. Oh, mais je suis chaud là. Puis 8e peut-être. Non, je vais. Ouais, je le vois avec l'oracle, avec mon oracle là. Je vais le faire le tour. Enfin, je vais plutôt le stopper dans sa course. Je sais pas si je vais l'avoir. Ah non, il était derrière le mur. Ah, c'était chaud, ça peut-être. Il y a un autre là, mais je l'entends hein, dans mon casque. Je suis désolé, par contre, j'ai pas. Ça fait longtemps que mon logiciel il met plus le son du jeu, donc du coup derrière je suis obligé de mettre la musique. Je suis vraiment vraiment désolé. Là, je suis à 9e série là. Bah, celui-là, je pense que je vais l'avoir. Hein. Il est resté caché. Ah, celui-là, il a eu le réflexe de s'allonger. Et moi, j'ai le réflexe de le tuer en pleine tête. C'est aussi simple que ça. Mais bon, continuons nos séries.
d'élimination. Là, je sais même plus, peut-être je suis à 10 ou à 11, je sais plus. Il est tout en... Il est en bas, il est en bas, il est en bas, voilà. Ah, il n'a pas compris celui-là non plus. Bon, revenons à nos moutons. Il est toujours là, il est planté quelque part, mais il n'a toujours pas bougé. Bon, on va passer à l'attaque ou pas? On va passer à l'attaque. Oh, il m'a touché en premier, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Ah bon, c'était lui, il était sorti. Donc, c'est tant mieux pour moi. Par contre, je sais pas, je suis en combien de séries là. Mais bon, la partie, c'est déjà enregistré, donc je sais combien je vais finir. Mais suspense, suspense. Comme ça, au moins, c'est pour être sûr que vous allez voir, que vous allez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et tout simplement, si vous avez aimé ou pas. Voilà. Donc là, je continue à faire des ravages, comme on dit. Je fais un petit carnage là avec. Comme d'habitude, hein, je ramasse toujours des armes par terre. J'ai pas de pillard, rien. J'ai tué un, je ramasse son arme, et puis j'ai tué d'autres, et ainsi de suite. Je continue. Là, j'ai plus de munitions, je prends l'autre arme que j'ai ramassée. Vous avez vu, je change au moins dizaines d'armes au cours de la partie. Donc, si moi je peux le faire, donc vous aussi vous pouvez le faire. On se prend pas la tête, on ramasse les armes par terre. Mais par contre, le seul hic, c'est que au moment où on change les armes, on a beaucoup de difficultés pour avoir l'avantage. C'est le seul problème, quoi. Sinon, une fois que vous êtes seul dans un coin, vous pouvez changer facilement l'arme et puis prendre l'autre, quoi. Donc là, je vais faire l'erreur, le pire erreur que j'ai pas dû faire. Je me suis fait déchirer par un sniper alors qu'il me restait combien? 4 ou 3 kills à faire. Non, zut, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais qu'ils étaient à 5 là, ils étaient au moins 4. Au lieu de faire le tour, mais non, il faut que monsieur il soit trop gourmand. Bon, ben, je suis désolé, hein. Je suis plein d'enthousiasme aujourd'hui. Et je vous fais partager ça à travers de cette vidéo. Et je suis bien content, tant mieux. Il fait beau, il fait chaud. C'est encore l'été, donc on continue. Voilà, je vais essayer de capturer. Ah, je sais pas s'il y a un mec qui va m'avoir là-haut. Non, il n'y a personne. Bon, mais tant bien que faire, je continue ma série, hein, même si c'était cassé en plein, presque à la fin, on va dire. Mais bon, ça va pas me décourager. Je vais essayer de faire gagner mon équipe au maximum, gagner plus de points possible. De toute façon, on a 163 points d'avance, donc on a pas trop de difficultés de gagner cette partie. On va dire, je suis pas dans mon équipe normale, hein, enfin, je suis pas avec ma team. Là, je suis tout seul. J'essaie de s'amuser du mieux que je peux, quoi. Voilà, je ramasse encore la batteuse. C'est bien cette batteuse. J'aime bien, moi. J'aime bien. Regarde ça. C'est facile, facile. Merci. Peut-être au fond, non, je vais faire le tour. J'entends quelqu'un en bas. Peut-être, ouais, j'entends quelqu'un en bas qui arrive. Voilà, il est tout juste là. Non, il est plus là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je continue quand même. Je vais prendre C. Je vais prendre C. Je sais qu'il y en a deux au fond, grâce à l'oracle. C'est pour ça que je campe un peu, parce que je suis tout seul déjà à prendre le drapeau. Il n'y a personne, tout le monde est campé. Mes équipiers sont tous campés de l'autre côté. Donc, du coup, j'étais obligé de prendre le drapeau tout seul. Mais tant mieux, j'ai réussi à l'avoir. Donc, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Là, je suis là avec AK-12. AK-12 fin de bouche. Plus viseur. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Pour ne pas dire de conneries, bah, je préfère ne pas le dire. Voilà. Bah, là, je suis à 29 à 2. Donc, je sais pas, bientôt la vidéo va finir. J'espère que tout de même que vous avez passé un bon moment avec mon petit délire dans cette vidéo. Et que j'espère que vous allez être nombreux à revoir
mes prochaines vidéos, quoi. Et puis vous abonner de plus en plus et lâcher votre commentaire cliquer sur j'aime, faire partager à tout le monde, et que ce soit vos amis, à vos proches, etc. En tout cas, ça me ferait plaisir que vous regardez déjà mes vidéos, que vous faites partager à tout le monde et que vous cliquez sur j'aime et puis laissez vos commentaires comme d'habitude, hein. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.